Coucou les petits choux! Aujourd'hui, on fait un carré de poulet avec du riz. Je vous donne tout de suite tous les ingrédients et ensuite, vous n'aurez plus qu'à reproduire ce que vous me voyez faire sur la vidéo, mais ce sera une vidéo en accéléré. Ici, j'ai 1,2 kg de cuisses de poulet désossées, un oignon assez gros, sinon vous en mettez deux moyens. 5 gousses d'ail, pareil, assez grosses, sinon vous en mettez quelques-unes en plus. Ici, j'ai l'équivalent d'une demi-boîte de tomates concassées, mais moi, c'est des tomates qui sortent du congélateur, elles ont été épluchées, je les ai coupées en petits morceaux, il doit y avoir 3 belles tomates. Il vous faudra du curcuma, une cuillère à café, du gingembre, une cuillère à café, du poivre selon les goûts, du sel, vous salez à votre convenance, une ou deux branches de thym et de l'huile de tournesol pour faire frire la viande. Moi ici je vais faire ça dans une sauteuse, mais vous pouvez faire ça dans une cocotte ou dans ce que vous avez comme marmite. Voili voilou, allez! Je vous retrouve. Ah oui, il vous faudra aussi un peu d'eau chaude qu'on viendra mettre par-dessus la viande quand on aura fait toute cette petite préparation. Il faudra juste mettre de l'eau à hauteur. Allez, je vous retrouve avec la préparation. Quand on aura arrosé à hauteur, on laisse mijoter jusqu'à ce que la sauce épaississe. Vous faites attention toutefois à ce que ça n'attache pas dans la gamelle. Vous remuez de temps en temps et voili voilou.
Et voilà, c'est prêt. Petite assiette de carré de poulet à ma façon, avec du riz. C'est juste excellent. Voyez la petite sauce? Faut que ça donne ça en fait, voyez? On arrête la cuisson quand presque toute la sauce est évaporée en fait. Regardez. Vous voyez, il reste un petit peu de sauce comme ça, c'est juste l'idéal. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bye bye!